Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour, qui est une actrice multi-récompensée qui a pour habitude de jouer dans des fictions bouleversantes. Souvenez-vous, elle a notamment porté à l'écran cette adaptation de l'autobiographie touchante de Flavie Flamand. Elle a également abordé des sujets parfois tabous comme le cancer du sein sur France 2. Et si elle vient nous voir ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'elle va essayer de faire bouger les lignes dans une fiction poignante, le thème, la maltraitance infantile. Bonjour Émilie Dequesne. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler de cette fiction que nous, on a vraiment, sincèrement adoré sur ce plateau. Ça s'appelle La Maladroite, le titre donc de ce téléfilm que France 3 diffuse ce soir à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un téléfilm dans lequel vous allez endosser le rôle d'une directrice d'école qui est confrontée à une élève qui est potentiellement victime de maltraitance. On le découvrira dans ce téléfilm. Première question que j'ai envie de vous poser là maintenant, faut-il absolument qu'une fiction que vous propose aborde un thème aussi poignant, aussi douloureux que celui de la maltraitance infantile ou ceux que j'ai cités tout à l'heure en introduction? Non, heureusement, pas forcément. Ouais. Enfin, j'aime aussi l'idée de faire du divertissement, mais j'avoue que quand je choisis un film, j'aime bien que l'histoire me touche. Donc en général, oui, j'aime bien que les choses soient un peu denses et pas creuses, quoi. Ouais. C'est ce qui motive mes choix. Après, quand on soit un scénario qui aborde ce sujet, enfin moi qui suis maman, en plus de ça, c'est pas possible de refuser ce genre de film. C'est vrai que cette fiction, elle a le pouvoir d'éveiller les consciences, hein, on le verra ce soir sur France 3, de faire bouger les lignes aussi, on l'espère. Est-ce qu'en tant qu'actrice, vous vous sentez un petit peu en mission, quelque part? Bah là, pour le coup, je me sens utile, ouais. L'idée de faire ce film, ça amène un plaisir qui est différent. L'idée, oui, de pouvoir faire quelque chose, de parler de quelque chose d'important. Parce que Éléonore Fauché, qui est la réalisatrice du film, elle nous a mis vraiment à la place de chaque personne de l'environnement de l'enfant maltraité. C'est-à-dire que ce film est d'une pudeur absolue. C'est un film qui est certes pas évident, mais qui est d'une pudeur et d'une sensibilité telle que il est plus que regardable, il est nécessaire, ce film. Et le spectateur est transporté à la place de l'institutrice, du médecin scolaire, de la directrice d'école, de l'instituteur, du voisin, de la voisine. On est tous responsables du bien-être et de la sécurité des enfants. Et le film permet ce point de vue-là. Et en tant que téléspectateur, on se sent terriblement impuissant. On y reviendra dans quelques instants. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Émilie Dequesne. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de la télévision d'aborder des sujets aussi poignants que celui de la maltraitance infantile? Quel regard portez-vous sur la carrière d'Émilie Dequesne? Dans quel rôle rêvez-vous de l'apercevoir? Posez toutes vos questions. On y reviendra juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour Émilie. Allez Sarah, c'est parti pour les audiences. Et il paraît hier qu'il y avait un carton intersidéral et c'est signé TF1. Bah oui, c'est TF1 qui lançait le bazar de la charité. Eh bien, les deux premiers épisodes, tenez-vous bien, ont rassemblé 6 800 000 personnes sur la une, ce qui représente 31% de part d'audience. M6 est deuxième avec L'amour est dans le pré à 3 300 000 fidèles et 14,8% de part d'audience. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve France 2 avec une fiction, c'était une rediffusion dont l'appelait Ruby. La fiction portée par Mélanie Doutet a convaincu 2 100 000 personnes et 9,3% de part d'audience. Au pied du podium, on retrouve France 3 avec Le Monde de Jamy. Ils étaient 1,5 million de curieux et 6,9% de part d'audience. C'est vrai qu'il y avait une grosse concurrence. Alors, je vous ferai réagir tout à l'heure sur le bazar de la charité parce que c'est l'objet de la deuxième news média. Mais plus largement, sur la fiction française, on se rend compte chaque jour qu'elle caracole en tête des audiences. Plus aucune fiction américaine à la télévision aujourd'hui fait ce genre de chiffres. Comment expliquez-vous que la fiction française rassemble autant de téléspectateurs ? Oh, je pense qu'on a envie de faire les choses bien. Ouais. C'est pas... Très souvent, moi, quand j'ai commencé ce métier, on me demandait bêtement si j'étais une comédienne de cinéma ou de télévision. Oui, parce que vous avez commencé au cinéma. Oui, mais je suis comédienne avant d'être comédienne de cinéma, de télévision ou de théâtre. Moi, ce qui me plaît, c'est de jouer, c'est de raconter des histoires. Et en plus de ça, la télévision, c'est un outil extrêmement utile parce qu'on est directement chez les gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au cinéma. Et je trouve qu'il est important de pouvoir offrir des fictions aux gens qui soient soit divertissants, soit utiles, soit les deux en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un vrai
stress aussi d'offrir de la qualité aux spectateurs. C'est pas parce qu'on fait de la télévision qu'on veut forcément mal faire. C'est peut-être... Je pense pas qu'on avait envie de mal faire avant non plus. C'est sous prétexte qu'on fait de la télé, on va faire des trucs tout pourris. Non, c'est pas, c'est, j'y crois pas une seconde. En revanche, je pense que les moyens ont changé et la technique a changé. Et puis surtout, il y a moins de barrières entre le cinéma et la télévision. Donc je pense que le vivier est de plus en plus riche et les créations sont de plus en plus intéressantes. C'est vrai que vous faites partie des rares actrices à avoir un pied au cinéma et un pied à la télévision. C'est quoi votre secret? Parce que souvent, quand on reçoit sur ce plateau une actrice, elle fait soit beaucoup de télévision et un tout petit peu de cinéma, mais vraiment de façon très rare, ou alors elle fait beaucoup, beaucoup de cinéma et de façon très sporadique, elle vient à la télévision. Vous, c'est assez équilibré quand on regarde. Oui, parce que je fais ce que j'aime. Je ne me pose pas la question de savoir si c'est pour le cinéma ou pour la télévision. Et vous n'avez pas d'étiquette, manifestement. J'espère. J'espère. Pourvu que ça dure. Ouais. Allez, on poursuit ces news médias avec justement, tiens, le bazar de la charité. À peine la fiction vient de commencer, que les critiques tombent déjà. C'est quoi cette histoire encore? Bah oui, c'est notre rédaction de TV Magazine a rencontré il y a quelques jours Marie-Béatrice Ducret. C'est une descendante de la comtesse de la Blotterie, l'une des victimes du terrible incendie parisien de 1897 qui a fait 120 morts et dont la mini-série événement de TF1 s'inspire. Elle avait vu en avant-première les deux premiers épisodes diffusés hier soir et elle nous a donné son ressenti. Alors sur la forme, elle a trouvé la scène spectaculaire de l'incendie un peu longue et sur le fond, elle note des anachronismes, notamment quand le réalisateur insère des références à MeToo dans le scénario. C'est une fiction pour Marlène Schiappa et les spectateurs d'aujourd'hui afin qu'ils s'y retrouvent, nous dit-elle. Quant au personnage d'Audrey Fleurot, il lui semble peu crédible à ses yeux, surtout quand sa fille la tutoie. C'est impossible en 1897, ajoute-t-elle. Elle est dure quand même. Vous avez regardé le bazar de la charité? Non, j'ai pas vu. Non. J'avais oublié que c'était hier soir. Puis hier soir, on présentait La Maladroite à France Télévisions. Ah oui. Donc forcément, on peut pas être partout. Mais je pense que je regarderai, oui. Ce sera disponible en replay, c'est sûr. Alors, il paraît que beaucoup de comédiens se sont battus pour faire partie du casting. Hein. C'est un casting 5 étoiles, on va le rappeler. Il y a Julie Debona, Audrey Fleurot, vous l'avez rappelé. Il y a également Camille Lou, Gilbert Melki, Antoine Duléry. Josiane Balasco. Voilà, Josiane Balasco, Stéphane Guillon. Vous auriez aimé faire partie de ce casting? J'en sais rien, parce que je n'ai pas lu. Ah oui, d'accord. Voilà, je sais pas. On ne l'a pas proposé, en tout cas. On ne l'a pas proposé, non, d'accord. Non. On l'a pas c'est proposé. Une série en costume, historique. J'adore les films d'époque. En tout cas, vous reviendrez sur ce plateau pour nous donner votre ressenti quand vous l'aurez lu. Et on va terminer avec un autre carton. Hein. C'est l'une des fictions françaises les plus puissantes de la télévision, si ce n'est la fiction française la plus puissante de la télévision. C'est Capitaine Marlowe. On connaît un nouveau guest. Oui, parce que le nouvel épisode est actuellement en tournage. Et on vient de l'apprendre, après Joe Star, Marina Hans et Kad Merad, c'est Virginie Ledoyen qui a accepté de donner la réplique à Corinne Maziero. Et surprise, pour la première fois, la gendarme Ch'ti au franc-parler va tourner sous le soleil de la Guadeloupe pour des vacances bien méritées. Là-bas, le speech, un musicien est assassiné et face à l'indisponibilité de ses collègues sur l'île, elle va être contrainte de faire des heures supplémentaires. C'est vrai que là, elle va être assez loin de Roubaix, Corinne Maziero. Oui, c'est moi qu'on puisse dire. Exactement. Ceci dit, c'est vrai que les décors seront certainement somptueux. Ça vous plairait d'avoir un rôle dans Capitaine Marlowe, qui aujourd'hui a l'air d'être l'Eldorado des comédiens, puisqu'on a vu effectivement des comédiens de cinéma aller dans Capitaine Marlowe, comme Gérard Depardieu. Oui, c'est une sorte d'institution. Ouais. Voilà, le fait que ce soit José Dayan, j'aime beaucoup Corinne Maziero. Pourquoi pas, si ça me plaît. C'est toujours pareil, hein. Si ça me plaît, j'y vais. Si ça me plaît pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision en tant qu'actrice? Parce que vous jouez dans les fictions, est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous êtes plutôt sur Netflix? Vous êtes, je suis un peu abonnée à tout ce qui est possible d'avoir comme abonnement, j'avoue. Ouais. Que ce soit OCS, que ce soit Netflix, que ce soit Canal. Voilà. J'aime l'idée d'être libre et de pouvoir regarder à la demande. Je ne regarde pas vraiment la télévision au moment où les films sont diffusés. Ouais. Je vais confesser une petite Madeleine de Proust, les films de Noël arrivent. Ça, c'est un truc qui me plaît bien de temps en temps, à coup de brioche et de chocolat chaud. voilà, je sais pas, il y a un truc avec mon mari, on est assez friands de ces moments-là, de cette période de l'année-là. Voilà, ma fille déteste, mais nous, on aime beaucoup ça. Oui, mais le replay, en tout cas, l'idée de pouvoir regarder les films comme on le souhaite, c'est pas mal. Alors, il y a un téléfilm que vous allez devoir regarder, c'est ce soir, c'est La Maladroite sur France 3, et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Est-ce que
regarde. Non, vous pouvez nous regarder avec grand plaisir, Émilie Dequesne. Nous, on fait un peu office de gendarme, là, il faut le reconnaître. Oui, hein, voilà, vous êtes face à nous. Okay, et on va vous poser toutes nos questions exactement. Alors, à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, France 3 mise en prime time sur une fiction intitulée La maladroite. Hein, c'est ce soir que ça se passe. Vous y interprétez une directrice d'école dont l'une des élèves, qui s'appelle Stella, est potentiellement victime de maltraitance de la part de ses parents. On ne sait pas si elle est victime de maltraitance, on va le découvrir dans cette fiction. Déjà, quels sont les indices, quels sont les signes qui interpellent le personnage que vous campez et qui laisse croire que Stella est victime de violence? Déjà, c'est une petite qui a été scolarisée très tard. Elle n'arrive à l'école qu'à partir du moment où elle est en obligation scolaire. Elle est énormément absente. Les parents justifient de ce problème de santé, d'une santé fragile, etc. Et puis, oui, elle a un comportement social qui est difficile. Elle se cache, elle cache son corps. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui laissent à penser que les choses ne sont pas normales. Et un rapport de l'ancienne institutrice, qui est jouée par Isabelle Carré, qui fait état de marques et d'événements un peu anormaux. C'est vrai que vous, on vous aperçoit dans la deuxième partie du téléfilm, parce qu'au départ, effectivement, elle est dans une autre école, cette fameuse Stella. Alors, face aux absences répétées de cette fillette, face aux stigmates qu'elle porte sur sa peau, de quelle manière allez-vous réagir? De quelle manière votre personnage se comporte-t-il face à cette jeune fille qui, manifestement, reçoit des coups? C'est bien là le sujet du film, c'est qu'elle est tenue au sein d'une administration et d'un poste qui est le sien. Donc, elle ne peut pas franchir les limites que lui impose sa position de directrice d'école. Donc, elle va tenter, en convoquant les parents, en prévenant les services sociaux, en organisant des rendez-vous avec le médecin scolaire, de donner tous les moyens possibles de donner l'alerte et de faire en sorte que cet enfant soit protégé. Sauf que, on s'aperçoit qu'un enfant devient d'un coup un numéro sur un dossier et que le système est extrêmement lent et qu'il n'y a pas encore suffisamment de moyens pour protéger rapidement les enfants où on soupçonne des cas de maltraitance. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez beau donner l'alerte, enfin en tout cas votre personnage a beau donner l'alerte, il y a beau y avoir eu des alertes auparavant, de nombreux témoins sont là avec des preuves concrètes. Il y a même effectivement ce personnage interprété par Isabelle Carré qui note vraiment chaque jour les stigmates qu'elle peut voir sur la peau de son élève. Et malgré ça, il ne se passe rien. Comment vous l'expliquez? Parce que c'est dans la réalité, c'est la même chose. Dans la réalité, c'est la même chose. Maintenant, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ouais. Notamment, il y a le 119 qui est le numéro d'appel pour le droit des enfants, enfin pour les défenseurs des droits. Ouais. C'est un numéro que n'importe qui peut composer, notamment si vous suspectez. En cas de suspicion, c'est un numéro à faire. Ouais. Peu importe, on peut se tromper, mais l'important en tout cas, c'est au moindre doute de déclencher un petit signal d'alerte. Le fait est que à l'époque où se passent les faits, en tout cas le moment où la fiction s'inspire, il n'y a pas encore tous ces moyens qui sont mis en œuvre. Par exemple, un enfant, lorsqu'il passe une visite médicale avec le médecin scolaire, peut être accompagné par les parents. Ce n'est pas forcément obligatoire à partir d'un certain âge. L'obligation scolaire aussi qui va changer. Les enfants pourront aller à l'école, seront en obligation scolaire dès la maternelle. Enfin, voilà, je pense que c'est un devoir sociétal de protéger les enfants. Et en France aujourd'hui, a priori, on a un système, une éducation qui fait que les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes. Je sais que c'est impensable de se dire qu'un enfant peut être maltraité par ses parents ou par quelqu'un de sa famille. Le fait est que oui, ça arrive, ça existe et qu'on est tous responsables du sort d'un enfant à partir du moment où il évolue dans la société. Et c'est ce rapport sacro-saint finalement entre les parents et leur enfant qu'il faut briser. C'est ça. Ouais. C'est très difficile. Même au niveau de la justice, un enfant qui souffre à cause de ses parents, que ce soit physique ou même psychologique, c'est très difficile. Il faut que ce soit extrêmement grave et avéré, éprouvé et voire trop tard avant de séparer un enfant de ses parents. Il y a un moment donné, non, c'est pas sacré le lien parent-enfant. Il y a des parents qui déconnent et il faut protéger les enfants de ça. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr, et les premiers commentaires sont arrivés. Oui, j'ai déjà des commentaires. On va saluer Elisabeth, Jean-Philippe, Léa, Mickaël qui sont avec nous sur la page Facebook du Figaro et TV Magazine. Et j'ai une question de Marianne qui se demande: comment avez-vous préparé ce rôle? Qui avez-vous rencontré? Des psychologues? Des parents? Non, pas forcément en fait. J'ai pas rencontré de personnes particulières. C'est vraiment avec la réalisatrice qu'on a préparé ce personnage. Ma vie fait
fait que des directrices d'école, j'en ai croisé, et des formidables d'ailleurs. Madame Poisson, si tu nous regardes. Annette, c'était la directrice d'école maternelle de ma fille, Annette Poisson, qui est une femme que j'adore, qui est à la retraite maintenant. Voilà, et c'est vrai qu'avec la réalisatrice, moi j'ai énormément d'empathie, forcément. Pour moi, c'était... Je partageais les inquiétudes de mon personnage quant à cette petite. Maintenant, je ne suis pas directrice d'école. Mmh. Donc, c'est Éléonore qui me canalisait un peu et qui me permet de rester à ma place. Parce que, oui, une directrice d'école, elle ne peut, peut pas s'en prendre personnellement aux parents. Et, mmh. C'était assez difficile pour moi. Parce que j'avais ce doute et ça, à un moment donné, ça transpire l'envie de confronter les parents, alors que cette directrice est quand même obligée d'avoir une certaine tenue. Ouais. Il y a un protocole, quoi. C'est quoi l'idée de cette fiction, en fait ? C'est de dénoncer l'attentisme des institutions, ou bien c'est d'expliquer aux parents que non, il ne faut pas frapper son enfant ? Ça, si c'était possible. Ouais. Je crois que c'est au-delà de ça, je crois que c'est l'importance d'être concerné. C'est-à-dire qu'il y a une scène comme ça dans le film où il y a une voisine que mon personnage va interroger et en gros elle lui dit « mais moi je me mêle pas ». Il y a un moment donné, il faut se mêler tout petit peu de ce qui ne nous regarde pas. Parfois il y a des choses qui nous regardent et voilà, c'est plutôt un appel aux citoyens, une envie de réveiller tous et chacun. Quant à ces phénomènes de société et un appel à la réaction. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais à partir de quel moment on réagit en fait ? Pour vous, la maltraitance, la violence, elle commence où ? Elle commence à partir d'une fessée ? À partir d'un mot ? À partir d'une gifle ? D'un coup de poing ? La violence, elle commence à partir du moment où c'est déplacé. Effectivement, un coup, une gifle, un coup de poing, même un cri trop fort, c'est de la violence. A priori, dans le meilleur des mondes, moi, je voudrais que tout le monde grandisse dans un foyer et soit élevé avec de la douceur, de la communication, de la discussion, de la compréhension, du respect, de l'amour, de la confiance. Enfin, voilà, a priori, je voudrais que ça marche comme ça pour tout le monde. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Non, je pense qu'il s'agit juste d'un doute. Je pense que... Vous savez, je vis à Paris dans un quartier qui est extrêmement bruyant. Ouais. Et parfois, la nuit, j'entends des cris. Et je me suis surprise à me dire, oh là là, t'es habituée. Imagine, le cri est inhabituel et tu ne fais rien. Donc, je préfère appeler les services de sécurité pour rien que de ne pas le faire si c'est nécessaire. Bah, c'est pareil avec les enfants, je pense. La fessée, on en parle parce que ça a fait couler beaucoup d'encre. Elle a été interdite en juillet dernier. J'en ai pris quelques-unes. Et alors ? Ça a fait de vous quelqu'un de psychologiquement instable ou au contraire, vous pensez que... J'en sais rien, faudrait que j'en parle avec ma psy, j'en sais rien. Non, très sincèrement, moi j'étais assez pénible et j'étais une adolescente assez difficile. Moi, si je prenais un coup, j'estimais que j'avais le droit de le rendre. Donc je suis pas vraiment un bon exemple. C'est difficile, moi je sais que je suis assez anti-fessée, mais c'est ma façon de fonctionner, c'est mon éducation. Je ne suis pas pour frapper les enfants, parce qu'on ne peut pas éduquer un être humain à ne pas frapper l'autre si déjà, dès sa naissance, on lui apprend à recevoir des coups. Et à un moment donné, c'est une question de bon sens. Alors, la fiction, on va le rappeler, elle est tirée d'un roman, celui d'Alexandre Sora, qui est le roman éponyme de cette fiction. La vie de cette fillette, est-ce qu'elle est tirée d'une histoire vraie ? Elle a été inspirée de beaucoup de faits divers, d'énormément de faits divers, notamment des faits divers qui ont été très marquants, comme le fait divers de la petite Marina, etc. Mais la scénariste, elle, s'est nourrie de plusieurs histoires. Même si le livre, lui, part de l'histoire de la petite Marina, le scénario, lui, a été inspiré de malheureusement beaucoup de faits divers. Sarah, des questions ? Oui, je vais prendre la question de Jean-Michel qui se demande à quoi ressemblait votre enfance. Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure. Vous étiez pénible, c'est ça ? l'adolescence, oui, j'ai été atroce avec ma mère, j'avoue. Ouais. C'est-à-dire ? J'étais pas très prudente. Je n'avais aucune idée. J'étais assez intrépide et impulsive et j'avais aucune notion du danger. Donc je pense que ma mère a dû passer des nuits un peu difficiles. Notamment, je partais en Bretagne. On partait en vacances avec mes parents en Bretagne et je décidais d'aller à l'Aumner. Il y a un brise-lames. Je décidais de me jeter du bout du brise-lames, d'attendre la vague avec ma planche de surf et de filer de l'autre côté avec les bateaux. Enfin, ce genre de truc complètement fou. Je pense que si ma vie faisait un truc pareil, je m'en remettrai.
n'arrêterai pas. Donc, bravo maman. Et sinon, mon enfance, c'était super. Ouais. J'ai grandi avec beaucoup de cousins et cousines. Mes parents ont une menuiserie qui a été créée par mon grand-père. Et toute la famille y travaillait. Mon oncle, enfin voilà. Et donc, ma grand-mère, qui était dans la maison d'à côté, nous a tous élevés, les cousins et cousines. Et on a énormément joué à se déguiser dans les tas de bois, sur les chariots qui servaient à transporter les billes de bois. Enfin, voilà. C'était une enfance assez merveilleuse. Vous avez une fille, je crois, qui est aujourd'hui adolescente. Elle a 17 ans. Elle est en terminale. Ouais. C'est ça, en terminale. Bon, on espère qu'elle aura le bac, c'est cette année. Je lui souhaite, mais je pense qu'a priori, ça devrait aller. Et vous qui êtes maman, justement, d'une adolescente, est-ce qu'il y a une émotion particulière qui se dégage lors d'un tournage d'une telle fiction ? Ah oui, bah forcément. J'ai toujours dit que ma fille est née, j'ai éprouvé mon cœur, j'ai l'impression qu'il s'est brisé en deux, qu'il y avait un ventricule supplémentaire qui apparaissait. Et quand j'ai vu ce concentré d'innocence comme ça posé sur le lit, ça m'a coupé en deux. Vraiment, je me suis dit, mais comment ? Enfin, la première question qui m'est venue à l'esprit, je pense que quand on parle de baby blues, etc., ça peut partir de là déjà, cette émotion était tellement intense de me dire que comment on pouvait faire le moindre mal à ça, quoi. Ils sont tellement rien demandé, ils sont tellement innocents. Et ça, ça a été le souvenir le plus fort. Donc oui, quand j'ai commencé à préparer ce film, quand j'ai lu ce scénario et en travaillant là-dessus, ça me renvoyait forcément à cette émotion que j'avais éprouvée à la naissance de Mila. Ouais. Et pourtant, malgré ça, effectivement, malgré ce concentré d'innocence, il y a plus de 50 000 enfants qui sont victimes chaque année de violence. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours à cause de la violence. On parle ça fait presque 2 enfants par semaine. C'est vrai qu'on parle beaucoup des violences conjugales, mais il y a aussi effectivement cette violence infantile qui est souvent mise de côté, notamment dans les médias. On en parle assez peu, finalement. Est-ce que vous avez déjà été témoin de violences infantiles, de vos voisins, dans la vie de tous les jours? Jamais. Vous n'avez jamais eu... Heureusement. Heureusement. Non, jamais. Sarah, d'autres questions ? Oui, j'ai une question de Sophie qui se demande quels sont vos projets au cinéma ? Ben, je tourne en ce moment. Alors, il y a un film qui sortira en janvier. On va en parler dans l'ordre. Qui s'appelle « Je ne rêve que de vous », qui est un long métrage passion et historique. C'est-à-dire ça mêle l'histoire et la passion. C'est l'histoire de Jeanne Reichenbach et Léon Blum. C'était la dernière maîtresse, c'est la plus grande histoire d'amour de Léon Blum pendant qu'il était prisonnier de guerre. Et Jeannot Reichenbach est joué par Elsa Zilberstein et Léon Blum par Hippolyte Girardot. Ah, et merci. C'est Laurent Edman qui a réalisé. Il sortira donc en janvier. Très beau film, très belle histoire d'amour. Et là, je tourne en ce moment le film d'Emmanuel Mouret qui s'appelle « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » avec Camélia Jordana, Nils Schneider, Vincent Macaigne et plein d'autres comédiens. Guillaume Gouix que je retrouve. Voilà, on est en plein tournage. Alors, c'est vrai que vous venez de l'univers du cinéma. On le rappelle, votre premier grand rôle, c'était dans Rosette, des frères Dardenne. Si Rosetta. Rosetta, pardon, j'ai dit Rosette. Non, ça, c'est le saucisson que j'ai mangé hier soir. C'est autre chose, effectivement. C'est déjà l'heure de l'apéro. Je suis désolé. Effectivement, il y a le pastis qui m'attend en régie et la Rosette avec. C'est Rosetta. Exactement. Et ces dernières années, c'est vrai que vous avez multiplié les rôles à la télévision. Les propositions, elles affluent d'où exactement ? Elles affluent du cinéma pour vous, de la télévision, voire de partout ? De partout. De partout. Et puis, elles sont plus fiables, plus sûres et plus rapides au cinéma, pour dire la vérité. Au cinéma, à la télévision plutôt. Au cinéma, il y a des propositions, mais je reçois énormément de films qui sont un peu fragiles, de premiers films, etc., et qui ne sont pas toujours sûrs. Moi, c'est mon métier, donc c'est vrai que quand je reçois un film qui me plaît pour la télévision, je sais que voilà, le film va se faire. Puis en plus de ça, c'est assez condensé. C'est un exercice qui me plaît, la télévision. On tourne très vite et j'aime bien ça. Alors, c'est vrai que le monde du cinéma a été marqué ces dernières années par l'affaire Harvey Weinstein, qui a commencé aux États-Unis et qui commence tout doucement à arriver en France. On l'a vu notamment avec l'actrice Adèle Haenel qui a pris la parole récemment pour dénoncer le comportement d'un réalisateur à son encontre. Qu'est-ce que vous pensez de sa prise de parole ? Est-ce qu'il faut l'encourager ? La prise de parole en général. Ouais, et au-delà du fait que ça se passe dans ce métier, on parle d'un réalisateur, etc. Adèle Haenel était enfant, on parle d'un homme. Ouais. C'est plutôt le comportement
comportement d'un homme ou d'un adulte face à un enfant, aux pressions sexuelles et aux agressions sexuelles faites sur les uns et sur les autres. Et c'est là où il faut encourager la prise de parole et dénoncer. Moi, ça a toujours été la plus grande angoisse quand j'étais petite, quand ma fille était petite, c'était de me dire si quelqu'un abuse d'elle, que ce soit sexuellement ou simplement par de la violence, est-ce qu'elle pourra me le dire ? Moi, je crois que c'est la plus grande violence, la plus grande souffrance, c'est de ne pas pouvoir libérer la parole et de ne pas pouvoir témoigner des violences dont on est victime. Donc, que ce soit... Parce qu'on parle d'Harvey Weinstein, il s'agit là d'abus de pouvoir, etc. C'est quelque chose de très compliqué, mais je pense qu'on est confronté à ce genre de comportement dans tous les milieux professionnels. Donc oui, effectivement, il faut dénoncer le harcèlement et les comportements inappropriés. Mais voilà, d'une manière générale, il faut se libérer et témoigner. Les prédateurs n'ont pas le droit de s'en sortir impunément. Est-ce que vous sentez que les mentalités évoluent dans l'univers du cinéma ? Est-ce que vous sentez que maintenant les personnes se comportent assez différemment vis-à-vis des actrices ? J'ai jamais... Je touche du bois, mais j'ai jamais... J'ai jamais eu ce problème, en vérité. J'ai toujours évolué extrêmement protégée et en ayant le choix, mais peut-être grâce à mes débuts avec les frères Dardenne. Disons que j'espère, au-delà du cinéma, j'espère sincèrement que c'est la société et le monde qui changent. Qu'elle ne soit pas trop... rétrogradé, parce que quand même la bienséance, le politiquement correct, etc., je trouve que on peut très vite aller vers une sorte de perte de liberté immense. Donc sans atteindre les libertés de chacun et la liberté d'expression, etc., je pense qu'il est important de porter les libertés de tous, l'intégrité physique et de se protéger, et oui, de libérer la parole et d'être vigilant, et ben justement, d'une manière générale. En parlant de liberté d'expression, on va vous en donner encore un tout petit peu au cours de cette émission, parce qu'on va faire tout de suite notre dernière rubrique, le sucré-salé. On va pas se mentir, hein. C'est une rubrique de sadique. Voilà, on aime ça. Okay. Voilà. Ça va partir. J'avais dit qu'à 10h-3, il fallait que je parte. En fait, c'est pas compliqué. Sucré salé, on vous soumet deux propositions. Il faut que vous n'en choisissiez qu'une, forcément. Alors, la télévision ou le cinéma ? Le cinéma. Le cinéma. Ah, franchement, je sens que vous allez être une bonne cliente sur cette rubrique. Les téléfilms ou les séries ? Les séries. Les séries, quand même. Vous aimeriez endosser un rôle récurrent dans une série ? Récurrent, je sais pas. Ouais. Mais j'aime beaucoup le format de la série. J'aime beaucoup ça. Je suis assez fan. L'humour ou le drame ? L'humour. L'humour. L'enfance ou l'âge adulte ? L'enfance. L'enfance, c'est vrai, vous êtes assez nostalgique ? Je suis pas nostalgique, mais je crois que je suis restée enfant, donc en fait, pas de nostalgie. L'enfance, effectivement. L'insouciance de l'enfance, c'est ce qui nous fait tous du bien, ce qui nous rassemble. Merci beaucoup, Émilie Decaen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous pourrez retrouver Émilie Decaen ce soir dans La Maladroite à 21h05 sur France 3, une fiction absolument poignante que vous ne devez rater sous aucun prétexte. Merci, Sarah Lecoeuvre, d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et on se retrouve, bien comme chaque jour, demain, avec un nouvel invité. Cette fois-ci, il s'agit d'une journaliste, d'une présentatrice qui a pour habitude de présenter Pièces à conviction en deuxième partie de soirée. Cette fois-ci, elle vient en prime time. Il s'agit de Virna Sacchi que nous recevrons demain. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser vos questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.